Hey, salut tout le monde. Aujourd'hui, nouvelle vidéo Urbex. On part sur l'exploration d'une ancienne cimenterie. Donc la vidéo est un peu longue, donc on la fait en deux parties. N'hésitez pas à aller checker la deuxième partie sur la chaîne de Sinalos. Et dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Voilà, on arrive sur l'ancienne cimenterie. Un terrain énorme. Donc il faut savoir que c'est une cimenterie donc, qui a été créée dans les années 1920, laissée à l'abandon dans les années 1990. Et aujourd'hui c'est aussi un terrain d'entraînement du raid. Donc espérons qu'ils ne soient pas là aujourd'hui, qu'on puisse faire notre expo tranquille. Ça a vraiment été abandonné du jour au lendemain, première année. Les machines sont encore là. Et d'après les renseignements qu'on a eu dans toute l'usine, on a des machines. Ça peut être vraiment intéressant à visiter comme site. Bon, c'est quand même pas mal de ruines. Il y a quand même pas mal de murs qui s'effondrent, les plafonds. Donc on va faire attention quand même de ne pas se blesser. C'est parti. On est dans les entrailles. La cimenterie, toujours avec le même compère, toujours notre camarade avec qui on va faire les urbex. Donc la cimenterie ferait 20 hectares, la carrière 50 hectares, et dans la carrière il y aurait un lac de 20 hectares. Le problème c'est qu'on ne sait pas si on va réussir à avoir au moins une vue dessus ou le trouver, ça serait cool. Le stockage est toujours présent, donc comme quoi ça a bien été abandonné du jour au lendemain. J'ai pas l'info pour savoir combien de personnes travaillaient ici, mais vu la taille, ça devait être vraiment énorme. Ça va, Dieu? Ça va ta jambe? Ça va ta jambe? Et un stockage de craie. On a acheté tout le stockage de craie, donc comme quoi ils sont bien partis du jour au lendemain parce que bon, tout est resté sur place. C'est fou quand même de savoir qu'ils se sont cassés la tête pour extraire toute cette craie.
Et au final, tout laissé sur place. Des sacs de craie qui seraient restés ici. Donc la craie qui est l'un des ingrédients utilisés pour créer le ciment, pour fabriquer le ciment. Pas loin. Ça tire vraiment pas loin. Encore, comme vous l'entendez, il y a des coups de feu. Il y a des coups de feu. Donc on a une forêt. On a une forêt à côté. Espérons que ce soit juste des chasseurs. On ne veut pas le raid sur place en train de s'entraîner. Ce serait mieux déjà. Pensez à dire en commentaire si ça vous intéresserait de visiter ce genre de lieu. Si même vous avez des lieux à nous proposer pour faire des vidéos, abonnez-vous aussi à la chaîne et bombardez les pouces bleus. Donc là on a encore une machine. On va essayer d'y accéder par là-bas. Alors, du coup, poste de contrôle, les lunettes qui sont toujours sur place. Table électrique ici. Une machine énorme. C'est un four ça tu crois? Regarde la cheminée. Donc sa première vue c'était un four. C'est ça, c'est un four. Et donc, on a galéré pour accéder alors qu'il y avait des marches de l'autre côté. On va arriver dans les entrailles de cimenterie en forme à l'étage. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas encore une fois à aller voir la deuxième partie de la vidéo sur la chaîne de Sinalos. Laissez-nous un petit commentaire, un petit pouce bleu, un abonnement, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve bientôt pour la suivante.